c'est. C'est pas dans mon sens. C'est pas mon chiffre. Hop, allez. Et voilà le palace. Très bonne nouvelle, on vient de signer notre premier appartement. Ça veut dire que du coup, on est officiellement propriétaire. Je suis propriétaire. Donc l'appartement, il fait 20 mètres carrés. Très exactement, 19,27 mètres carrés. Ok, stop, je suis en plein montage. Vous l'avez vu, je l'ai vu aussi. Je suis vraiment désolé pour ce gros fil noir que j'ai bien laissé devant la caméra. Je l'avais pas du tout vu. C'est les aléas du direct. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Désolé. Quand je dis palace, c'est effectivement un grand mot. Et vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour être heureux. Donc première pièce, le salon. Hyper sympa. On a quand même une super fenêtre, grande hauteur sous plafond, petit lierre sur l'extérieur, petit oiseau, ça s'appelle Cookie. Au fond de la pièce, petite cheminée ultra sympa, avec une espèce de moulure, un peu à l'Hercule. Bon, l'intérieur assez crade, quand même des choses à refaire ici, là, du placo, bouché et à condamner complètement cette cheminée, parce que là, elle est encore ouverte, donc en termes d'énergie, c'est quand même zéro pointé. De l'autre côté, l'entrée, la porte, ensuite, coin cuisine. Deux plaques très agréables, relativement propres, les pires plaques du monde, je sais que vous avez déjà utilisé, moi aussi, impossible de faire la cuisine correctement là-dessus, soit ça crame, soit ça chauffe pas, impossible de mettre une casserole et une poêle en même temps, ça va dégager aussi. Donc, petit escalier pour monter à l'étage, la mezzanine, qui fait à peu près 5 mètres carrés. Plutôt sympa. Le coin dodo. Donc ça donne quand même 5 mètres carrés supplémentaires à l'appartement. Après, bon, faut pas être trop grand non plus. On doit avoir peut-être 1m30. Mais ça donne une belle vue quand même sur l'appartement. 20 mètres carrés, du coup, ça va assez vite quand même. Et on a la salle de bain. Donc j'ai pas trop de lumière. Dans cette salle de bain, on a la petite baignoire. Le lavabo, les toilettes au fond, et derrière on a un petit renfoncement où on va mettre machine à laver. Je vous épargne l'ouverture des toilettes parce que si vous êtes au petit-déj, c'est moyen que vous ayez des walkers. De l'autre côté, petit espace pour le lave-linge. Donc le projet dans cet appartement là, c'est qu'on a 20 mètres carrés, à peu près 25 mètres carrés avec la mezzanine qui est juste au-dessus, et ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment de le rendre ultra cosy, ultra efficace, ultra fonctionnel, autant au niveau de la cuisine, de la salle de bain que de la mezzanine. L'appartement en lui-même, en fait, il n'y a pas beaucoup de travaux. Finalement, c'est beaucoup de frais, peinture, sol. On va avoir un petit peu d'électricité, on va avoir un peu de travail au niveau plomberie. On va changer l'emplacement un petit peu de la cuisine. Sinon, peinture, décoration, sol et ameublement. Et les premiers travaux, on va les démarrer aujourd'hui. On va commencer par l'électricité. Là, vous voyez derrière moi, c'est un peu dégueulasse et je vais vous montrer un petit peu pourquoi. L'électricité, c'était la première chose à faire parce que c'est quand même pas super ouf, pas super joli, c'est pas super clean. Donc voilà la bête. Donc là, on a le compteur électrique. Et en fait, ce qui nous embête, c'est ça. Vous voyez ces énormes boulottes là? Voilà. Ça fait au moins 10 cm. Vous avez 3 fils. Ça fait quelque chose de relativement moche. Ça dépasse à fond du mur. Donc c'est vraiment pas super. Donc ça continue partout. Donc là, c'est à moitié arraché. Ça fait vraiment, je trouve, ambiance bureau, ambiance pas super propre. C'est à moitié peint jusque là, ça ne l'est pas après. Ça prend la poussière, c'est quand même pas super. L'idée, c'est de remplacer ça. Donc on va sur tout ce mur-là. Ça remonte au-dessus de la porte. C'est succulent, c'est vraiment super. Ça fait vraiment... En plus, ils ont été sympas, ils ont peint ici. Et ils se sont dit, tiens, le combiné qui est jaune dégueu, eh ben on va y mettre un coup de peinture dessus aussi. Et c'est contre nature. On en a ici, on en a jusque-là. Hop, ça va jusqu'au fond de la pièce. Et là... Masterclass. Les mecs, ils se sont dit, merde, on n'a pas assez de fil. Et bah, du coup, on va faire un angle ouvert. C'est vrai que c'est hyper malin, c'est super logique. Donc, on a ça. Et on va avoir un coup des goulottes jusqu'au fond avec le ballon d'eau chaude qui a l'air d'être ultra fonctionnel lui aussi. Alors, je suis loin d'être expert en électricité. Hein. Je pense qu'ils ont mis des goulottes comme ça parce que là derrière, donc ça ne pas du tout creux, c'est de la pierre. Je pense qu'ils n'ont pas voulu creuser, faire des trous dedans pour devoir mettre en fait. Toutes les goulottes, donc ils sont pas fait chier, ils ont fait ça en dehors. En soi, c'est pas si bête que ça, mais c'est juste que c'est pas très joli, quoi. Ça fait vraiment, je trouve, bureautique. Donc la décision qu'on a prise pour enlever un peu ces goulottes et faire un truc vachement plus sympa, c'est qu'on a trouvé en fait des plinthes en PVC qui sont creuses pour laisser passer les fils électriques dedans. Alors, donc ça ressemble à ça. Hop là. Donc c'est, alors, je sais plus exactement ce que c'est comme matériau. Hop là, donc ça fonctionne comme ça, donc ça fait une belle petite plinthe un peu sympa avec imitation un petit peu moulure. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est complètement creux. Donc on a quand même une belle surface, mais pas mal là-dedans de fil électrique. Et c'est exactement ce qu'on va faire. En tout cas, ça saute. C'est remplacé par ces petites choses-là. On passe les fils dedans, on monte jusqu'au tableau. Là, ce qu'on va faire là-haut, je sais pas si on va les faire passer comme ça, enfin, sur le bord de la porte. Il y a moyen que ça fasse un peu bizarre quand même, donc on va voir comment ça va se passer. Alors, n'étant ni expert en électricité, ni expert en plainte, j'ai regardé sur internet tout simplement comment fallait faire. En électricité, je vais me faire aider. Par contre, au niveau des plaintes, je me suis dit, ce qui est quand même complexe, c'est que là, j'arrive pas du tout à viser. Putain, mais c'est impossible à viser ça. J'arrive pas du tout.
C'est que là, on va avoir quand même des découpes. On va faire des découpes relativement propres quand même. Et voilà la bête. Donc j'en ai jamais utilisé. En vrai, les gros disques comme ça qui tournent très vite, ça me fait un peu peur parfois. L'intérêt, effectivement, c'est que vous avez votre scie qui est sur un axe qui vous permet de faire des découpes bien droites sur un second axe ici qui va vous permettre de couper les angles et des plaintes, d'autres choses. Et enfin, le dernier axe qui est juste ici qui vous permet de couper en biseau. Ça, c'est les découpes les plus compliquées en fait, forcément là où tu te foires parce que c'est des découpes quand même assez fines. Donc on va voir si ça marche bien pour des plaintes en PVC. Donc je vous présente mon cousin Gilles, qui est la personne qui me file un coup de main, notamment sur l'électricité, parce que lui, il en connaît un rayon et moi pas du tout. Donc on commence par enlever les goulottes, détacher les fils, détacher les prises du mur et enlever le chauffage. Et en enlevant tout ça, on a eu la belle surprise que la fibre de verre ne collait plus du tout au mur sur environ 3 mètres de mur. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, au niveau de la fenêtre, là où les découpes sont quand même les plus relou à faire. Donc là, on a encore des petits souvenirs de l'ancien papier peint, très joli. Ça veut dire qu'il va falloir refaire de la fibre de verre. J'avais pas trop prévu. Alors, vous demandez sûrement pourquoi on est en train de découper la pierre. Et bah parce que le père Quentin, il a eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Il a acheté des plaintes, des super plaintes, tout ce qu'il faut, tutti quanti, super. Sauf qu'il y a trop de fils, donc les fils ils rentrent pas tous dedans. Donc on a la chance que le mur derrière c'est de la pierre assez molle, donc on va pouvoir la creuser. Donc on va faire passer les fils dans le mur. Là on fait une découpe pour ensuite aller au marteau et burin, enlever une couche de pierre pour pouvoir mettre tous les fils. Donc le père Quentin et ses super plaintes, il peut aller se faire voir. Et donc ce que je suis en train de vous montrer là, ce sont les goulottes, et au fond ce sont des crottes de souris. Et elles sont rentrées dans les goulottes et elles ont grignoté les fils. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement un problème de souris à régler. Donc ces fils là sont morts. On fait un petit coup de rangement rapide et on commence à enlever les plaintes. Parce que oui, comble du chic, les goulottes étaient posées sur les plaintes. On a décaissé tout là, on a enlevé toutes les plaintes, finalement on a grave de place pour faire passer les fils. Maintenant le défi ça va être de coller ça, parce qu'on a quand même des sacrés trous. On va voir comment on va faire. Bon, on s'est fait une petite tentative de découpe propre à la meuleuse pour voir ce que ça pouvait donner quand même. Et finalement c'est pas si ouf parce que l'angle est pas très très précis et ça fait fondre le plastique. Donc on va partir sur la scie à angle radial. Première découpe. On a un peu galéré quand même à comprendre le système d'angle et tout parce que un peu fatigué, mais globalement, hyper content du résultat. La découpe avec la scie à angle radial, c'est quand même ultra propre. Là, on a fait un peu de la croque tout à l'heure, mais on va rattraper ça, je pense. Mais sinon, c'est quand même assez clean pour un premier test. Toujours, c'est protégé quand même. Hop, le casque anti-bruit. Alors, il faut que je fasse des découpes en plus en biseau. Le pied de mon bordel, il est là. 45. C'est du plastique quand même. Franchement, c'est pas fondu. Tout à l'heure, on a essayé avec la meuleuse, c'était pas top top. Là, c'est quand même relativement net. C'est un petit peu la ponceuse, je pense. Mais sinon, il est pas mal là. Il est pas mal du tout. Bon. Fin de première journée, on a eu pas mal de surprises. Finalement, en fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide et comme moi, je suis extrêmement novice, il y a plein de trucs que j'ai pas pensé. Alors, voilà à quoi ressemble. Bon, alors, ils sont pas encore collés, évidemment. Toutes les découpes des plaintes. Donc, je vous avouerai que là, je me suis senti vraiment teubé en allant chercher les angles, les angles entrants et sans en sortant. J'ai fait 2-3 erreurs. Je pense que géométrie, je pourrais me remettre dedans quand même. Donc, j'ai fait ici. Ici on va en mettre une autre, là on en aura une autre, ici aussi, et jusqu'au bout là. Je pense que je me suis un peu chié quelque part parce que du coup il va m'en manquer une. Super. J'enlève celle-là. Donc voilà quand ça sonne derrière. Donc en fait on a enlevé les plaintes. Par chance en fait j'avais déjà un trou là. Tous les trous. Donc on a passé bon bah là, les câbles. Ça nous aide bien, mais on a quand même un bon espace ici là. À peu près 1 cm. Donc on peut bien passer les câbles, ça c'est cool. Donc les plaintes. Et votre posée, collée, ça va vraiment faire quelque chose de plutôt
plutôt propre. Les prises sont posées au même endroit qu'il y avait des prises avant, c'est pas trop trop fléchir, on fait la même chose. Et là-haut, on a fait pas mal de changements en fait, au-dessus de la porte, donc je sais pas trop comment ils ont fait. On a espèce de gros jour, on a décidé de passer les fils dedans parce que là j'ai 9 ou 10 fils. C'est quand même des fils assez épais là. On a décaissé, on a creusé d'à peu près 3 à 4 cm. Donc les fils là ils passent largement. Donc ça c'est cool. C'est un peu l'interrogation que j'avais. On a pas mal creusé, donc ça veut dire que ça va rentrer, on va passer tous les fils là jusqu'au bout. Petit retour d'expérience aussi sur scie à onglet radial. On a réussi à faire toutes les plaintes, toutes les découpes, nickel, en 2-3 heures. Si on avait dû faire ça à la boîte à onglet, une espèce de boîte avec une scie juste, on aurait mis 2 jours de plus, ça aurait été une erreur. Donc si vous avez les moyens, louez une scie à onglet radial. En tout cas, pour tout ce qui est plaintes, ça fait vraiment gagner du temps. Donc pour une première journée, en vrai, on a pas mal avancé, je suis content. On a mis quand même un peu de temps à se lancer dans le chantier, mais parce que vous savez pas trop trop où vous mettez les pieds. Et là, en enlevant toutes les plaintes, on s'est rendu compte que ça va être vachement plus facile de caler les câbles. Donc ça, c'est cool. Là, il va me rester du coup d'enlever les plaintes qui restent. Et j'avoue que ça sera cool. Hop là, toute la plainte ici, bim bam boum. De creuser un peu pour que ces fils-là ils passent là-dedans. Comme ça, ce sera hyper joli. N'hésitez pas à caler des commentaires si vous voyez des grosses erreurs. En tout cas, j'espère que t'as kiffé cette première vidéo. Je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!